Donc, maintenant, dernière question dans le fer. Écrivez numéro 1 si vous êtes prêt. Prêt, taïeb. Oh, écoutez la dernière réponse, la dernière question à Afouane. Après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié de faire les ablutions. Que doit-elle faire? Après avoir terminé la salat, elle se rappelle que elle a oublié de faire les ablutions. Que doit-elle faire? Mahmoud est déjà prêt. On attend les sœurs, Inch'Allah. Elle a fait sa prière, elle a oublié de faire ses ablutions, à son rappel. Donc elle stoppe sa prière, elle stoppe, elle va faire ses ablutions et ensuite elle refait la prière. Voilà. Donc Inch'Allah, elle stoppe, elle sa prière, elle va faire ses ablutions et ensuite elle va faire sa prière. Ça, c'est cher. Donc, c'était ta réponse. Voilà la réponse des sœurs. Elle fait ses ablutions et refait la salat. Elle fait ses ablutions. Et refait la salat. Mahmoud, je ne vois pas pourquoi tu dis elle stoppe. Elle doit dire, elle arrête la prière. Justement, non, elle ne doit pas dire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit dans la question, après avoir terminé la salat, elle se rappelle. Donc, moi, j'ai bien dit après avoir terminé. Elle stoppe quoi? Donc, attention, hein. Ah, je sais pas si je vais t'enlever quelque chose pour avoir dit ça. Parce que j'ai bien dit, après avoir terminé le salat, elle se rappelle. Donc, non, quand il a dit, elle refait la salat. Donc, Asnatouf, je redis ce que tu as dit comme réponse. Ce que tu as dit. Non, tu n'as pas écrit, toi tu as dit. Il a dit eh, stop la salade. Oui, stop la salade. Il n'y a pas de stop pour la salade. Et quand ta sœur insiste, elle insiste pour que je vous enlève quelque chose. Un demi-point ou un quart de point ou la femme. Mais puisque vous avez femme. Puisque moi, je voulais juste vous faire tomber dans un piège. Pourquoi? Car avant cela, il y avait la question, après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié d'enlever une souillure. Et cette dernière question, c'est, après avoir terminé la salat, elle se rappelle qu'elle a oublié les ablutions. Je me suis dit, peut-être l'un de vous va dire que donc... C'est comme la souillure, puisque quand elle a oublié la souillure, elle n'a rien fait, elle n'a pas refait la salade. Donc je me suis dit, peut-être quelqu'un de vous va dire, c'est la même chose, puisqu'elle a oublié aussi les ablutions, donc elle ne refait pas la salade, car quoi? Car Allah Ta'ala dit, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Donc les deux, vous avez répondu juste, à part que l'a ajouté le mot stop. Alors écoutez la question, très simple, dans la Aqida est simple, et la réponse directe. Hein? Direct. Quand quelqu'un est dans le paradis, si jamais il a besoin d'uriner ou de faire autre chose, hein, comment qu'il va faire? J'attends la réponse directe dans le PV. Non. Attends qu'elle réponde. Attends, j'attends la sœur qu'elle réponde. Bien sûr, ça suffit pas, Mahmoud, de dire que, par exemple, de dire qu'il n'y a pas à l'akhor. Il n'y a pas de... On n'urine pas dans le paradis. Il faut me dire, si on n'urine pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que la réponse que j'attends, femme. La sœur, j'attends ta réponse sur le PV. Ah, cher, j'ai la réponse, Bi-Ibnillah, j'ai la réponse. Voilà, qui n'a mis du temps, Ourta, doit avoir regardé ses PV, non? Ah, c'est une question, hein, j'espère pas. Hein. Attention, celui qui. Faut pas regarder les PV, hein.
En fait, elle a donné la réponse. C'était toi qui avais pris le micro, Asma. Tfadl, prends le micro, donne la réponse, toi. Chir au paradis, bi-idnillah. Vous m'entendez? Bi-idnillah au paradis, on n'urine pas, bi-idnillah. Et au fait, ça sort, c'est du muscle qui sort de nous, bi-idnillah. Tfadl, chir. Taïeb, donc c'est la même réponse. Ils seront dit on n'urine pas, ce sera yani, du muscle. Non. Les sœurs ont ajouté que c'est de la transpiration. Oui, mais les sœurs ont ajouté transpiration. Toi, tu n'as pas dit transpiration. Il est possible que la personne comprenne que c'est du muscle, mais yani, qui sort par les parties intimes. C'est pas dit, tu n'as pas dit que c'est de la transpiration du corps. Eh, quand même, hein, il y a des gens qui vont croire ça. Hein, pourquoi pas? C'est du muscle, mais qui sort de l'endroit. On bat, c'est pas, au lieu que l'urine sorte, il y a du muscle qui sort. Pourquoi pas? Donc,